Alors ici François Poisson pour Télécœur, je suis dans le secteur Sainte-Gertrude de Bécancour au Café des Trois Cloches. Le Café des Trois Cloches, c'est Sylvie et Isabelle. Je suis avec Sylvie Lachance dans le moment. Bonjour! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? On passe un bel été? Ben oui, commence, mais ça commence bien. Là, Café des Trois Cloches, chaque fois qu'on vient ici, il y a de plus en plus de choses. Combien d'artisans est-ce qu'on leur produit ici? On est rendu une bonne quarantaine d'artisans de Sainte-Gertrude et autour. Puis il y a une très grande variété quand même. Bien oui, c'est surprenant. Il y a plein de nouveaux produits écologiques, comme entre autres les petites ballons d'eau recyclables que tu trempes dans l'eau puis que tu te garoches, tu n'en ramasses plus plein par terre puis ils sont réutilisables tout le temps. On a le miel en vrac qui vient d'arriver cette semaine. Tu peux amener tes propres contenants, te remplir, il y a une petite pesée. Ou sinon, on a des petits contenants en plastique ici là, qu'on peut fournir. Donc, non seulement vous favorisez l'achat local, vous aidez les artisans locaux à s'en sortir finalement, mais il y a un aspect aussi très écologique là, au-delà de juste l'achat local, celui d'avoir des produits, disons, durables. Oui, j'aimerais dire que c'est mon idée, mais les produits écologiques, ça vient directement des artisans. C'est eux qui pensent à ça et qui amènent ça. Et c'est 100% à eux. Tous les profits de leur vente sont à eux. Nous, on fait ça pour aider. On a d'autres façons de financer le café. La façon de financer le café des Trois Cloches, c'est beaucoup par un gros tirage qui se fait tout l'été. Donc, le 28 août, on fait le tirage d'un très gros panier d'une valeur de 2 500. On vend les billets, 2 $ le billet, 3 billets pour 5 $. Vous pouvez les acheter jusqu'au 28 au moment du tirage. Un exemple des produits qu'on retrouve là-dedans? Ben oui, on a des produits de beauté d'une valeur de 750. On a des bijoux qui proviennent d'une bijouterie. Là, je nomme des choses qui sont de l'extérieur, une tablette électronique. Et tous les artisans d'ici donnent aussi un cadeau. Et on a reçu une paire de billets pour aller voir Robert Charlebois à Trois-Rivières le 17 septembre, je pense. Des billets qui valent 100 $. Alors, il y en a deux, ça fait 200 $ de prix. Puis là, je pourrais tout nommer, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Est-ce que le seul endroit pour se procurer des billets, c'est ici au Café des Trois Cloches? C'est ici au Café des Trois Cloches et il y a quelques artisans qui en ont en leur possession et qui en vendent aussi. Bon. Les gros vendeurs au café, j'ai demandé ça tout à l'heure à Béatrice qui travaille ici. Peut-être que tu vas me donner un autre son de cloche. Quels sont les gros vendeurs du café? Bien, il y a le Bedon Gourmand. J'imagine qu'elle en a parlé. J'ai pas tout entendu ce qu'elle disait. Mais dans le fond, c'est l'artisan qui est là depuis le plus longtemps. Donc, les gens sont habitués à ses produits. Ils reviennent constamment pour chercher les confitures, les gelées, les marinades et tout ça. C'est très, très, très aimé. Et toi, ton coup de cœur parmi les produits du Bedon Gourmand? Du Bedon Gourmand, moi, c'est fraise à l'ancienne. Je dis des bêtises. Moi, c'est cerise à l'ancienne. Quand j'ai goûté à ça, je ne connaissais pas ça, mais il y en a toujours dans la maison. C'est bon. Puis je vais te rajouter, moi, j'ai demandé à Martine du Bedon Gourmand une sorte de petit cornichon qui rappelait un moment dans mon enfance. Puis après deux versions, elle est tombée sur drette les cornichons de mon enfance. Fait qu'elle leur a donné mon nom, il s'appelle les cornichons à Vivi. Mon Dieu Seigneur, même des choses sur demande. Ah, est-ce que c'est une livraison ou une réparation, là, ce qui arrive? Ça, c'est Garnett qui donne un coup de main sans arrêt. Là, il vient nous poser des belles tablettes dans notre grande armoire. On a beaucoup d'aide au café. Il y a un petit groupe, là, franchement, qui nous aide beaucoup. On n'y arriverait pas sans tout ce monde-là. Il y a des choses qui se changent sans arrêt ici. Hey, Crime, oui. Regarde, tout le café a été viré à l'envers. Une section plus café, les artisans. On a défoncé un mur, peinturé. Il y a deux expositions cette année, dont une nouvelle dans le passage sur les coutumes sur la mort à l'époque. Là. Fait que non, oui, ça bouge tout le temps. Il y a toujours des nouvelles choses, puis c'est bien le fun. Tu as assisté tout à l'heure, Sylvie, au cours d'espagnol. C'est une initiative des deux jeunes qui travaillent ici. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Bien, je trouve ça le fun parce que cette année, on a Félix-Antoine qui est à l'avant comme guide depuis quelques années. Et on a Béatrice qui est toute nouvelle cette année dans l'équipe, qui est plus attitrée au café. Et c'est une idée de Béatrice. On va donner des cours d'espagnol. Il a été
Peut-être question aussi de cours de français aux Guatémaltèques qui sont dans notre communauté maintenant. Fait que, non, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun que deux jeunes s'impliquent comme ça puis qui mettent sur pied un beau projet. Puis ça a eu un beau succès tantôt. Il y a eu des gens et deux, trois qui ont téléphoné pour dire qu'ils vont assister à l'avenir, mais qu'aujourd'hui, ils avaient des rendez-vous, ils n'étaient pas présents. Fait que je trouve ça bien le fun. La fréquentation, bon, pour le cours d'espagnol, il y avait des gens. Habituellement, là, la fréquentation ici, là, dans une journée, premièrement, tu peux nous donner les heures d'ouverture? Le café des Trois Cloches est ouvert à l'année les samedis, dimanches, de 1h à 16h. Là, quand l'été arrive, il y a la route des clochers, il y a les expositions, les visites guidées. Donc là, c'est du mercredi au dimanche, de 10h le matin à 16h. C'est ça, la semaine longue. Puis normalement, les autres années, quand on commence la première semaine, il y a comme un petit délai avant que le monde se rende compte qu'on est ouvert dans la semaine et plus tôt. Cette semaine, ça a comme parti fort. On est déjà rendu à 124 visiteurs dans nos premiers 4 jours. Là. Fait que ça inaugure bien. Là, vous avez des habitués, j'imagine, et des gens aussi qui arrivent ici et qui sont éberlués parce que c'est leur première fois qu'ils découvrent le café. Oui, il y a beaucoup de touristes l'été d'ailleurs. Puis quand ils arrivent dans le café, ils ont toutes la même réflexion. Ben voyons, ça prendrait ça dans chaque église. Fait que nous, c'est aimé. Puis oui, il y a les habitués. Tu sais, on est rendu avec de la viande, du bœuf, du porc, de la lasagne, spaghetti. On a la micro-ferme de Sainte-Gertrude qui amène salade, cocombe, radis et qui vont en rajouter à chaque semaine. Fait que tu peux quasiment venir faire ton épicerie ici de façon assidue à chaque semaine. Ceux qui connaissent la Bible connaissent l'épisode des vendeurs du temple. Que dirait Jésus de vous voir installé ici dans un de ses temples et à faire comme ça, à vendre? Bien, je ne me prononcerai pas à dire ce que penserait Jésus, mais l'évêque, Monseigneur Gazaille, est venu, il a adoré ça, il est rendu accro de nos confitures, il vient acheter ces choses ici. Et des fois, il y a des curés, d'ailleurs, qui viennent pour des funérailles, puis ils sont tous, oh, mon Dieu, on va faire nos achats. Fait que c'est très bien perçu, et le curé actuel, lui, dit que c'est ici, au café, qu'il fait des belles rencontres avec des gens qui ne verraient pas autrement qu'au café. Alors, ça contribue à tricoter la société gertrudoise plus serrée. Oui, et ça contribue aussi, surtout, pour ce qui m'intéresse, de conscientiser les jeunes à la bâtisse ici, qui est tellement belle puis qu'on ne voudrait pas perdre. Là. Fait que là, ils sont en train de s'approprier l'Église. On entend beaucoup les jeunes dire « Hey, notre Église! » Puis c'est le fun d'aller dans notre Église. Fait que je trouve ça le fun de voir que les jeunes sont conscients là, qu'on a quelque chose de beau ici. Parce qu'on est à une époque où chacune des paroisses s'interroge sur l'avenir de ces églises. Il y avait une rencontre dernièrement à la paroisse voisine de Saint-Jean-Paul II. Et là, c'est un peu le sort des 6 églises de la paroisse là, qui était évoqué. Donc ici, est-ce qu'il y a eu des choses de dites jusqu'à maintenant sur ce qui allait arriver à cette église-là? On n'est pas encore rendu là, mais comme partout ailleurs, c'est sûr qu'on va avoir à se poser ces questions-là éventuellement. Puis on va essayer entre-temps de trouver des façons de les sauver. Parce que parfois, les églises sont vendues. Parfois, c'est repris par la communauté. Parfois, c'est carrément détruit. Là. Mais ici, c'est une église qui a un certain âge, qui est patrimoniale. Est-ce qu'elle est classée, l'église? Non, elle n'est pas classée parce qu'elle a été... Là, Félix-Antoine, regarde-moi, là, c'est en 1800... L'église, 1848, mais elle a été agrandie en 1911. Donc, elle a été touchée. Et il y a eu beaucoup de modifications. Ils ont enlevé la balustrade, la chaire a été défaite, tout ça. Fait que pour toutes ces raisons-là, là, non, elle n'est pas ici. Mais quand même, il y a un bon coup d'œil. Puis, il y a tout ça ici à quoi vous avez redonné vie. Là. Donc, en tout cas, si jamais il se passe quelque chose, bien, vous aurez quelque chose à y voir, vous, du comité du Café des Trois Cloches. Oui, en tout cas, on la rend très vivante et beaucoup de gens qui pensent qu'ils voient les portes ouvertes, ce qu'ils nous disent, c'est « Mon Dieu, c'est rendu tellement rare qu'on a le droit de rentrer dans une église. » Fait qu'ici, elle est accessible puis les gens peuvent l'apprécier. Opération porte ouverte, approuvée par Monseigneur Gazaille. Félicitations, Sylvie Lachance, pour cette initiative du Café des Trois Cloches qui existe depuis maintenant? Ça fait 4 ans.
déjà que ça va. Pas aussi gros que ça, là. Il a grossi d'année en année, mais ça fait déjà 4 ans qu'il existe. On le dirait pas. On dirait que ça fait plus longtemps que ça, à cause du dynamisme, à cause du fait, bon, de justement, là, de, les artisans se sont appropriés le lieu, les habitants aussi, donc c'est remarquable. Bien oui, on est bien, bien contente de la réponse de la communauté et de l'aide, puis tout le monde qui se greffe à ça, là, c'est belle fois. Bien bravo. C'était Sylvie Lachance et François Poisson pour Télécœur dans le secteur Sainte-Gertrude de Bécancour. Merci. Merci.